et bienvenue au journal télévisé de 18h sur News. En ce 14 mai 2009, nous parlerons des tirs de libération de l'Ilan Tamul qui continue une guerre qui a débuté en 1983 au Sri Lanka. Cette guerre qui dévaste le pays depuis maintenant 27 ans a fait plus de 100 000 morts. La population civile est la principale victime de ce conflit confrontant le gouvernement et l'armée du groupe Tamul. Cela est plus surprenant d'apprendre qu'entre 2000 et 2005, le taux d'immigration de l'Australie a grimpé de 137%. De plus, ceci ne tient pas compte des immigrants clandestins puisqu'ils ne font pas partie du recensement. Ce qui nous mène à l'histoire de Kusha Sodhalimuthu. Nous sommes allés le rencontrer cet après-midi suite à des demandes de citoyens et ayant vu M. Sodhalimuthu se promener à l'intérieur du centre de détention pour immigrants clandestins de Darwin avec une pancarte demandant de l'aide. Voici ce qu'ils nous ont filmé à l'aide de leur cellulaire ce matin. Monsieur Sodhalimuthu, racontez-nous ce qui s'est passé. Le tigre ont tué ma femme. C'est un avertissement parce que j'ai soutenu les gouvernements sri-lankais. Je devais protéger ma famille, alors je suis parti. Je n'y pensais pas me retrouver dans une situation aussi pénible. J'ai fait le périple du Sri Lanka en bateau jusqu'en Indonésie pour trouver de la nourriture et de quoi faire boire mes 4 enfants âgés de 6, 9, 11 et 15 ans. C'est lorsque nous avons quitté les côtes indonésiennes que les problèmes ont commencé. Une tempête s'est levée et plusieurs sont tombés par-dessus bord. Avec mes connaissances en aéronautique, j'ai pu sauver la vie de mes enfants et de 2 autres personnes. Arrivé sur les côtes australiennes, des autorités sont venues à notre rencontre et nous ont arrêtés, car ils disaient que nous étions contre la loi sur l'immigration mise en place. Nous avons été déportés dans un centre de détention à Darwin, où je suis maintenant fermé depuis un mois. Suite aux déclarations de M. Sodhalimuthu, nous sommes allés rencontrer son avocate, Natasha Ring. Dans le métier depuis maintenant 2 ans, cette jeune avocate du HCR a remporté la majorité de ses causes. Elle défend maintenant l'affaire Sodhalimuthu avec passion. Le cas de Kusha Sodhalimuthu est loin d'être unique en son genre. Les centres de détention d'immigrants clandestins sont bondés en Australie. Plusieurs personnes sont renvoyées dans leur pays après l'étude de leur dossier par le gouvernement. Ils ne se préoccupent pas du fait que ces personnes risquent de se faire tuer dans leur pays. Madame Lakshika Sodhalimuthu a été tuée par les tigres de libération de l'Ilam Tamul. Quelles preuves ont-ils besoin de plus? Je crois que ce dossier a été jugé trop rapidement et pas en bonne et due forme. Le gouvernement australien essaie de renforcer sa politique d'immigration afin de ralentir la croissance du taux d'immigration, puisque ce dernier a augmenté de 137% en 5 ans. Mais qu'en est-il des réfugiés qui ont réellement besoin de leur aide? Ils ne peuvent pas agir ainsi. En envoyant M. Sodhalimuthu, ils ne le condamnent pas seulement à une mort certaine, ils le séparent de ses enfants, la seule famille qui lui reste. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un tribunal ne décide de les renvoyer eux aussi au Sri Lanka, où ils seront en danger de mort. C'est à la suite de ces paroles franches et directes que nous avons contacté la représentante d'État en immigration, Phoebe Walker, afin de connaître son opinion sur le sujet. Chaque année, un grand nombre d'immigrants clandestins débarquent sur les côtes de l'Australie. Nous arrivons à en intercepter certains, mais d'autres échappent à notre vigilance. Puisque l'immigration illégale constitue un crime, nous les plaçons dans les centres de détention pour immigrants illégaux afin d'étudier leur dossier avant de leur donner le statut de réfugié. Nous avons tellement de demandes qu'il faut comprendre que nous ne pouvons pas tous les accepter. Lorsque nous jugeons qu'ils manquent de preuves pour leur octroyer le statut de réfugié, nous les renvoyons dans leur pays. Le cas de M. Sodhalimuthu n'est pas différent des autres immigrants clandestins. Il n'a pas de traitement favorable. Nous n'avons pas assez de preuves nous permettant de l'accueillir en Australie en tant que réfugié. C'est pourquoi il sera déporté vers le Sri Lanka. Pour ce qui est de ses enfants, nous étudions présentement leur dossier et nous déciderons, suite à cela, s'ils devront être déportés ou non. Le mieux pour M. Sodhalimuthu serait de retourner au Sri Lanka et s'il désire toujours devenir un citoyen australien, il pourra faire une demande de visa d'immigration. Pour l'instant, la décision a été prise et le gouvernement ne la changera pas. Le cas de Kusha Sodhalimuthu suscite de vives réactions de la part du public. La date de son déportement a été fixée le 12 juin 2009 et le gouvernement ne semble pas vouloir revenir sur sa décision. Ici Emma Williams pour News. Bonne soirée. Yo guys, on a même eu le temps de tourner une phrase! Rachel! Hey, je fais un effort constant en ce moment. Non, mais c'est plus ça d'aller foutu, je suis juste pas capable. Il me manquait 3 mots! Le cas de Kusha Sodhalimuthu suscite de bonnes réactions de Bab, de Philippe. Des bonnes réactions? Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de 18h sur Mars. Ça, c'était pas bon. C'est de bon.